Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi vient juste d'être donné. À votre avis, Darren, qui fera la différence dans cette rencontre? Je pense qu'on est beaucoup à adorer Marco Verratti. C'est fou qu'un garçon de sa taille domine autant le milieu de terrain. C'est clairement l'un des meilleurs du monde aujourd'hui, avec en plus une qualité de relance tout simplement incroyable. Oui, s'il est en forme aujourd'hui, en plus, il peut faire des étincelles. Il allonge. Quelle intervention de Chiellini! C'est bien fait, ça. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Le bon ballon. Marco Verratti. Va-t-il en profiter? Dans la profondeur. Chiesa. Et la barre qui tremble, il s'en sort bien. Et que dit l'arbitre? Corner. Ce sera le premier corner du match. Oh, l'inspiration! Et le cadre se dérobe! Mais se dérobe vraiment! Voilà, mais c'est précipité tout ça, il doit au moins prendre l'information pour savoir s'il n'a pas mieux à faire. Il a frappé vraiment trop vite. La passe dans la profondeur. Oh, la frappe! Le but pour l'Italie! Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Oh oui, super tir! Le jeu reprend, ça fait 1-0. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. À l'arrivée, il ne pourra rien en faire de ce ballon. C'est joué dans l'espace. Ça peut faire mal. Et ça rentre. Attention à ce rythme-là, ça va finir par faire très mal. Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. Le tir était bon, mais saluons la passe. On sent que ça a été bossé à l'entraînement, ça. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts, et je dois dire, c'est mérité. Oh, voici Immobile. Oh, attention! Dans la profondeur, bonne interception, il y avait danger. La passe est précise. Long ballon dans le sens du jeu. Il est bien placé. Il tente de la jouer dans l'espace. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Ça peut être dangereux! Chiesa. Il choisit la profondeur. Attention, Immobile! Et il rate le cadre. C'est à croire qu'il ne marquera jamais. Il avait du temps, de la place. Et je parie que les cosmonautes l'ont vu passer celle-là. Bien servi. Oh, c'est chaud. Immobile! Et c'est toujours le même résultat. Ça ne le sourit pas pour le moment, mais c'est bien quand même. Il se procure des occasions, c'est le plus important. Bon, maintenant, il faut qu'il marque.
Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. On a vu une bonne entame avec une équipe sérieuse qui a visiblement bien appliqué les consignes du manager et qui est logiquement récompensée avec ses deux buts d'avance. Et ce n'est peut-être pas terminé. Deux buts d'avance, ils mènent pour l'instant 2-0. Le temps de finir votre analyse, le jeu a déjà repris. Chiesa. Jorginho. Oh, voici Immobile. Quel timing dans l'interception. Le ballon dans la profondeur. Quel fait du bien cette interception. C'est joué long, attention. Allez jusqu'au bout. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Chiesa. Une parade magnifique. Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Le centre. La tête, attention. Heureusement qu'il était là. Son gardien était battu. C'est joué dans la profondeur. Immobile. Oh, le superbe arrêt de Donnarumma. La parade, magnifique. Et voilà une façon de faire briller le gardien. Lorenzo Insigne, il va s'en charger, il est fort pour frapper les corners. Il s'est attaqué, ça on le savait, mais il sait aussi défendre. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui, ça devient un peu la norme. Hors-jeu. Jorginho, Marco Verratti. Bien joué, ces passes en profondeur sont toujours dangereuses. Jorginho. Oh, bon tacle. Avec Verratti, la bonne passe. C'est joué long, dans la profondeur. Bon, c'est bien joué. Marco Verratti. Acerbi. Immobile. Jorginho. Et c'est récupéré encore une fois. Chiesa. Ça joue long. La défense est battue. Et ils vont effectuer cette touche. Il passe en retrait au gardien. Acerbi. L'Italie qui mène toujours 2-0. On voit mal maintenant la victoire lui échapper. Ce contre peut très bien aller au bout. Bien, la profondeur. Ça passe dans l'axe. Il est servi. La frappe. Oh oui. Oh, ça bascule en toute fin de rencontre. Superbe combinaison. Ces deux joueurs se trouvent les yeux fermés. Alors là, toutes les conditions sont réunies pour une fin de match explosive. La longue passe. Oh, attention. C'est dégagé, loin. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre. C'est fini pour cette rencontre. Un seul but d'écart entre les deux équipes. On a vraiment assisté à un match serré jusqu'au bout finalement. Et logiquement, les meilleurs l'ont emporté. Bon, t'arrêtes.